Bonsoir mes belles lumières, c'est encore moi Christine pour vous présenter votre guidance avec l'archange Michaël et les messages qu'il a à nous transmettre ce soir. Allez, c'est parti, on demande à l'archange Michaël de nous transmettre son message pour ce soir. Qu'est-ce que nous devons entendre, conscientiser? Cher Archange Michaël, je me connecte à toi et je te demande de nous délivrer ton message ce soir. Toujours rester dans l'amour, oui, ça, on le sait, tu nous l'as dit, tu nous le répètes tous les jours, mais on a tendance à l'oublier, c'est vrai. Tu fais bien de nous le rappeler. Allez. Bon, il me dit que c'est celle-ci. Perspective. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là, tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait être aussi une ouverture qui vous emmènerait là où vous désirez aller. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. L'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une belle transformation qui nous attend, hein. Il suffit simplement aujourd'hui que l'on puisse regarder du bon côté de ce qui se passe. Quoi que nous soyons, j'arrive pas à trouver mes mots, désolée. Peu importe ce que nous avons comme obstacle dans notre vie, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, n'est-ce pas? Et je ne parle pas uniquement de ce que nous vivons tous en ce moment, je parle de tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Eh bien, cela va dépendre de ce sur quoi nous nous concentrons. Le positif ou le négatif, c'est à nous de décider. Merci à l'archange Michaël de cette belle, de ce beau message. Je vous remercie tous de votre écoute. Je vous retrouve demain sûrement pour une nouvelle guidance. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très, très, très bientôt. Excusez-moi, je suis un peu sous le coup de l'émotion parce que je reçois pas mal de messages là. Et l'archange Michaël veut vraiment que l'on sache combien il est à nos côtés, combien il nous guide, combien il nous soutient, combien nous ne faisons qu'un avec lui également. Nous avons tendance à l'oublier. Combien il est amour et combien il voudrait, il souhaiterait que nous soyons également dans cet amour pur au quotidien, sans faille, même s'il sait que c'est difficile parce que nous sommes avant tout des humains. Mais il aimerait qu'on garde ça en mémoire vraiment, que ce qui compte c'est uniquement l'amour, quoi qu'il se passe. Restons dans la lumière et dans l'amour. Peu importe si notre cœur est blessé ou pas, peu importe ce que nous pouvons traverser, c'est avec l'amour que nous devons le vivre.
Je vous dis ce qu'il me dit. Hein. Vous êtes des belles lumières divines. L'amour a toujours fait partie de votre cœur. Vous l'avez juste oublié ces derniers temps. Revenez dans votre cœur et dans votre amour. Tout ce qui se passe nous amènera vers une transformation. Une belle transformation. Même si on n'en a pas conscience tout de suite, même si on n'en a pas conscience là maintenant, c'est que pour un monde nouveau, c'est vers un monde nouveau que nous allons aller. Merci, merci, merci. Merci Archange Michael. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.